J'ai le talent, elle est bien. J'ai le talent. Aïe. C'est bon. Elle est tellement devenue flambante qu'elle mériterait que je t'éteigne, frère. Salut Internet, c'est Kamoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Raider. Il est là pour moi aujourd'hui. C'est très important. Retenez ça. Retenez-le bien. Parce que aujourd'hui, on va faire une vidéo très très spéciale. Je vous explique. J'ai ma sœur. Et en fait, ma sœur, elle sortait avec un mec il y a peu de temps. Et elle est restée pas mal de temps avec lui. Je crois qu'elle est restée pas moins de 2 ans. Et le problème, c'est que ce mec-là lui a fait du mal. C'est-à-dire que il lui parlait mal. Il a déjà levé la main sur elle. Il y a volé de l'argent. Et aujourd'hui, je peux pas accepter ça. Donc, ma sœur s'est séparée avec lui pour la petite anecdote. Donc, elle m'avait rien dit pendant les 2 ans où elle était avec lui. Moi, je n'ai rien vu non plus parce qu'il faisait semblant devant la famille. Mais aujourd'hui que ma sœur n'est plus avec, elle m'a raconté des trucs. Tout ce que je viens de vous dire, elle me l'a raconté. Et au final, je ne peux pas rester sans rien faire. Donc, ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est que je vais me rendre chez lui. Je vais lui demander de me rendre des comptes. Je vais lui demander si c'est vrai. Et si il me dit que c'est vrai, je vais devoir régler le compte avec lui d'une façon ou d'une autre. Je vais y aller seul comme un bonhomme et on verra sa réaction. J'espère qu'il avouera, mais dans tous les cas, c'est une vidéo qui va pas bien se passer, je le sais. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira et j'espère pouvoir régler le problème concernant ma sœur. Ciao. Bon les amis, là je suis devant chez l'ex de ma sœur. Je vais l'appeler pour lui faire croire que j'ai une console à lui, que j'ai la Play qu'il a laissée chez ma sœur, que je vais lui ramener. Du coup, il n'y a pas de sonnette, donc je vais être obligé de l'appeler. Allô? Ouais, Alex? Ouais. Ça va? Et toi? Ouais, ça va, ça va. Dis-moi, je suis venu te ramener ta Play là, que tu avais laissée à la maison, chez ma sœur. Ah, sympa, ouais, j'arrive. T'es chez toi? Ouais, ouais, je suis à la maison. Ouais. Ah, bah vas-y, je suis devant. Je t'attends. Vas-y, j'arrive. Ouais, vas-y, à de suite. Bon les gars, vous l'avez compris, déjà il est chez lui. Il croit que je vais y ramener sa Play. Et je vais un peu lui tirer les verres du nez, je vais lui demander si tout ce qu'il a fait c'est vrai. Et dès qu'il arrive, je vais le faire parler. Là, vous devez le voir sur ma gueule, je suis énervé, donc je vais essayer de me calmer un peu et de l'attendre venir. Il est long, qu'est-ce qu'il est long. En plus, il a pas mon âge, si je mets la main dessus, je lui arrache la tête. Travaille pas aujourd'hui? Quoi? Travaille pas aujourd'hui? Oh, je suis en maladie. Hein? Tu vas bien? Et toi? Tranquille. À nous la paix. Dans la voiture. Tu m'as donné s'il te plaît? Ouais. Non, on va discuter 5 minutes. Moi j'ai rien contre toi. Tu sais, à la base, c'est pas parce que tu es plus avec ma soeur que. Non, je sais. Moi aussi j'ai rien contre toi. Là. Tranquille, on pourrait 5 minutes à discuter. Ouais, je sais, bien sûr. Ça fait un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Frère, on s'entendait plus trop en ce moment. Frère, au bout de 2 ans. Combien de temps vous êtes restés ensemble? Plus de 2 ans? 2 ans et demi. Je faisais des crises de jalousie pourries. Des crises de jalousie? Ouais. Mais après, tu connais ma soeur, tu sais qu'elle est jalouse. Ouais, ouais, mais bon, après. Là, elle était vraiment pas bien. Bah, non plus, j'étais pas bien quand même. Faut pas dire le contraire. Genre, maintenant, je suis heureux ou quoi que ce soit. Moi aussi, j'étais pas bien. Je l'aimais, ta soeur, tu le sais. Ouais, je sais. Moi, je me suis toujours bien entendu avec toi. J'ai eu des problèmes. Moi aussi, tu sais, rien contre toi en tout. C'est dommage d'en arriver là. Quoi, c'est impossible de recoller les morceaux là? C'est compliqué. Pourquoi? Il s'est passé trop de choses. Bah quoi, trop chaud, il s'est passé quoi? Je sais pas, genre. C'est quoi la raison de... C'est quoi la raison de la séparation, c'est quoi? Pas quelque chose, ça te regarde pas, mais bon. Ah oui, ça me regarde, c'est ma soeur. Ouais, mais j'ai pas trop envie d'en parler, j'ai pas très bien soit, par rapport à ça. Moi, bon, en fait, je t'explique. Là, je sais que vous êtes séparés, c'était un peu brusque. Tu vois? Comment ça, brusque? Bah, c'est genre, c'était pas prévu quoi. C'est arrivé du jour au lendemain, d'un coup, tout va bien. Du coup, le lendemain, vous êtes plus ensemble. Et là, ma soeur, elle me dit des trucs sur toi, j'ai du mal à y croire, tu vois. Comment ça? Bah elle me dit des trucs. Le bleu c'est pas moi le bleu. De quel bleu? De quoi tu parles? Non, viens. De quoi tu... Quel bleu? Non, rien, c'est bon, tu peux me passer à la Play, je dois rentrer, il y a un daron qui m'attend et tout. Ah mais de quel bleu tu parles? Je comprends pas. Rien. C'est bon, je préfère pas en parler. Après elle est venue avec des bleus. Ah mais... C'est toi qui l'a frappé? Non bah c'est pas moi, c'est ça. C'est qui alors? Je t'explique en gros l'histoire, tu as vu, elle a reçu des bleus. Genre, mais par qui? Non, bah, je sais pas. Elle est rentrée à la maison. J'ai vu qu'elle avait des bleus. Genre, elle a pas voulu me dire. Ouais. Bah, qui c'était? Moi, ça m'a énervé. J'ai cru qu'elle me trompait. Des trucs comme ça, j'ai vu. Et donc, c'est pour ça que ça s'est passé. Mais alors, il s'est passé quoi? Bah, je sais pas. Je te demande. Et tu lui dois des sous aussi, à ce qui paraît? Comment ça, je lui dois des sous? Elle m'a dit que tu lui devais des sous. Ma soeur, ce mois-ci, tu as pas donné le loyer. Ça va, tu lui donnais là. Oui, mais ça fait 6 mois. Elle me dit que ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Oh, calme-toi. Oh, calme-toi. Ah, je sais pas, je vais te dire un truc. Je rends ma Play, je suis pas bien en ce moment par rapport à ça. Donc je dois rentrer chez moi. Mais tu lui donnes 6 mois de loyer ou pas, Alex? Ça va, je lui dis pas. Moi, je suis pas là. Pour te faire des problèmes, tu le sais.
Tu sais que je t'ai toujours bien aimé. Oui, ben ça, y a pas. Alors, est-ce que tu lui dois 6 mois de loyer ou pas, Alex? Oui ou non? Dis-moi, entre nous. Oui, je lui dois. Alors, pourquoi tu lui donnes pas? J'ai eu des dettes et tout à payer entre temps, donc c'est pour ça que c'était compliqué. Mais frérot, tu veux. Mais ma soeur aussi, elle a des trucs à payer, non? Oui, ça va. Bon, ben voilà, je lui rends des sous. Faut trouver une solution. Ben ça, je lui rends des sous. Bon, là, je vais récupérer ma play. Et là, je vais rentrer, parce que là, c'est bon, je suis fatigué. Et c'est quoi ce bleu qu'elle a? C'est d'où il vient? J'en sais rien, c'est quoi ce bleu là? Dis-moi la vérité, Alex, regarde-moi quand je te parle. Dis-moi la vérité. Alex, ça fait 2 ans que je te connais. Ouais. Plus. Là, je sais que j'ai en train de me mentir. Par rapport à ma soeur, tu me dis que le bleu, il a rien à voir avec elle. Je te connais pas. Regarde-moi quand tu me parles. Tu vois, déjà rien que ça, ça prouve que tu mens. Ah, donc dis-moi. Non, mais je suis pas là pour faire des problèmes ou quoi que ce soit. Juste dis-moi si tu es pour quelque chose ou pas. Dis-moi la vérité. En gros, je t'explique l'histoire vite fait. Vas-y. T'as vu, vendredi dernier, on était à l'anniversaire d'Anaïs, sa copine. Ouais. Genre, on est allé et tout, genre, il y a une copine, en plus même de ta sœur. Elle est venue me parler, genre, normal, genre, rien de méchant. Genre, elle m'a pas fait du rentre dedans ou quoi que ce soit. Tu connais ta sœur, comment elle est? Elle est jalouse. Oui, mais elle est pas méchante, après. Non, elle a pas dit qu'elle était méchante. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Très jalouse pour rien. Non, elle est jalouse, normal. Quand elle aime, elle est jalouse, c'est normal. Après. Ouais, mais ça va, il y a un degré. Non. Vas-y, après. Bref, du coup, quand on est rentré, on s'est pris la tête. C'est pas la première fois qu'elle fait ça, genre par nerf, elle m'a mis une gifle. Elle t'a mis une gifle? Ouais. Mais pourquoi? Tu l'as insulté? Non, même pas, j'ai même pas. T'es sûr, j'ai pas insulté? Non, j'ai pas insulté. Elle m'a mis une gifle comme ça. Elle m'a mis une gifle, genre sur le coup de nerf, je lui ai redonné le coup. J'ai pas entendu ce que tu viens de me dire, j'ai pas compris. Je t'ai dit que sur le coup de nerf, moi je lui ai redonné une gifle. T'as fait quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? On a mangé pendant 2 ans ensemble et à moi tu me pièges. Vas-y, rends-moi ma PC. Et toi, on a pas dans 2 ans. Tu frappes ma soeur, toi? Non. T'as la chance que je te filme d'ailleurs, sinon tu seras enterré. Tiens, vas-y, enterre-moi. Oh, il veut quoi? Je te nie. Sérieux? Ouais. Vas-y, tu sais quoi? Rends-moi ma PC. Tu crois vraiment que je t'appelle en plus, trop du cul. Tu crois vraiment que je suis venu? Elle est où ma PC? Tu veux t'appeler? Ouais, elle est où? Allez, viens, je vais te donner, viens. Vas-y, passe-moi là. Allez, chez moi, la plaie. Tu viens à la maison, t'as pas de permis, que tu es un clochard. Tu vas monter avec nous. Tu viens, je vais lui donner sa plaie. Vas-y. Monte dans la voiture. C'est bon, je te frappe pas. Mais manque pas de respect. Mais dis pas. Tu vois, comme il est un truc de fou quand même. Ah, frère, je vais t'expliquer un truc. C'est un peu notre soeur. Tu veux qu'on fasse quoi là? Donc détends-toi. À 3? Je te levais la main dessus, Vas-y, monte dans la voiture. Allez, vas-y. Prends ma paye et je me casse. C'est fou, lui, safe. J'ai dit, je savais qu'il fallait pas qu'elle se mette avec toi, ma soeur. Je le savais, je lui avais dit. T'es une tête de con. Je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais te mettre la main dessus. Je le savais. Ah, mais t'as vu, je sais, j'ai des grands frères. Et alors, qu'est-ce que tu me fais, ces grands frères? T'as vu les trucs des îles? Ne me fais pas parler. Ne me fais pas parler, Alex. Parce qu'il y en a la moitié de ton grand frère. La moitié, il y en a un qui est la moitié attardé. Et là, c'est un agneau. Et le plus voyou de la famille, c'est toi. Et tu es loin d'être un voyou. Donc arrête avec tes grands frères. Tu verras si c'est des moines. Bref, je veux juste que tu me rendes ma play. Je te la rends ta play. On va y aller, je te la rends ta play. De toute façon, ta soeur, c'était juste une roue de secours pour moi. Mais t'inquiète, moi je le savais. C'est elle qui était conne, qui ne savait pas. T'inquiète pas, je le savais, moi. Combien de fois tu t'es pris la tête avec elle pour ça? T'inquiète, ma soeur, c'est une roue de secours. Je vais te montrer c'est quoi une roue de secours. Donc voilà, les amis. On arrive à la sentence de Kamoff. Vous regardez nos vidéos pour ça. On le sait que ce que vous kiffez dans nos vidéos, ce sont les sentences. Mais d'habitude, il y a toujours le mec ou les mecs que j'ai pillés sur à côté. Là, vous voyez qu'ici, à ma gauche, il n'y a personne, à part Reder. Et vous voyez qu'à ma droite, il n'y a personne aussi. Donc, où a bien pu passer l'ex de ma sœur? Autour de moi et derrière moi, il y a une citerne. Et oui, les amis, notre cher ami Alexandre, l'ex de ma sœur, est dans la citerne. Venez, je vous montre. Quand tu as bien le monde, le camion. Alex. Tu as vu ce que tu as fait à ma sœur? Je suis désolé. C'était impardonnable. Je vais pas pouvoir pardonner ça, frère. Je suis désolé, mec. Laisse-moi sortir. On viendra te chercher demain. Okay. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
Ce qui s'est pas, ce qui s'est pas, c'est qu'on va lui ouvrir quand même. Là, on fait croire que. Gros, si tu arrêtes pas de parler, je te laisse là, alors tu arrêtes. Donc, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Nous, on va faire semblant de partir, mais on va lui rouvrir parce que c'est dangereux, on va pas le laisser longtemps. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne frappez pas les femmes. Faites attention à vos sœurs ou à vos frères si vous avez des petits frères ou des petites sœurs. Les gars, un gros merci à notre ami Reder aussi qui a été là pour la vidéo et heureusement qu'il était là, sinon l'autre j'en faisais qu'une bouchée. Moi je passe en prison hein, sinon. Reder, il a sorti une vidéo, on va mettre un petit extrait. C'est bon. Elle est tellement devenue flambante qu'elle mériterait que je t'éteigne, frère. Le lien est en description, les gars. Et sa chaîne, c'est Reder. Elle s'affiche ici à l'écran. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Kamoff. À mercredi prochain, 18h, pour une toute nouvelle vidéo. Et non à la violence contre les femmes. Bon, les amis, ça fait 10 minutes. Donc, j'entends plus un bruit. Je pense qu'il a perdu espoir. Donc, je vais venir lui réouvrir. Allez, c'est bon, sort. Allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu as compris la leçon? Tu vas y rendre les loyers à ma soeur? Tu vas y rendre? Tu vas y rendre les loyers? Oui, bon, voilà, les gars, on attend qu'il ressorte. Il est là à sortir, le mec. Je veux juste m'assurer. Ouais, qu'il sorte, tu vois. Voilà, c'est bon. Il est trempé. Rappelez-moi de. Anton, pourquoi tu fais ça? Vas-y, que tu vas rentrer à pied. Pourquoi tu fais ça? Arrête de me filmer, toi aussi. Amène-moi l'échelle. Un mois pour rendre les sous à ma soeur. Là, on va faire la photo, on va envoyer la vidéo à ma soeur, elle va être contente.